Messieurs et dames, nous sommes contents d'être encore une fois à votre compagnie sur Congo Live Télévision, la chaîne qui vous informe, la chaîne qui décrypte, mesdames et messieurs, la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, où sévit toujours cette guerre d'agression du Rwanda. La République démocratique du Congo est toujours agressée par les Rwandais, en dépit, mesdames et messieurs, de plusieurs alertes, plusieurs demande pour que les pays de Paul Kagame soient sanctionnés. Jusque-là, nous ne voyons toujours pas grand-chose. Alors, nous allons, mesdames et messieurs, une fois de plus, revenir sur la situation de lundi dernier, près de la cité de Sake, dans le territoire de Masisi, où des accrochages ont une fois de plus signalé, pas dans Sake, mais à 2 km justement de Sake. Qu'est-ce qui se passe? Parce que présentement, on nous signale qu'il y a une accalmie qui règne dans cette partie de la province du Nord Kivu. C'est dans ce sens, mesdames et messieurs, que Congo Live Télévision revient une fois de plus pour vous en dire un peu plus, pour que justement vous puissiez encore une fois comprendre tout ce qui se passe. Parce que vous êtes nombreux préoccupés justement par cette situation. Voilà pourquoi il faut toujours qu'on puisse vous mettre au parfum de toutes ces actualités. Alors, c'est donc depuis le lundi dernier que cette situation a commencé, mais maintenant là, un calme précaire est signalé, et c'est au lendemain, bien sûr, des accrochages entre la coalition FRDC, Wazalendo, les VDP, comme nous les appelons toujours, volontaires pour la défense de la patrie. Ils faisaient face aux rebelles du M23 et leurs alliés du Rwanda à Rutoboko. Rutoboko, c'est à environ 2 km de la cité de Sake, chef-lieu du groupement Kamuronza. Dans la soirée du lundi 14 octobre 2024, en chefferie de Baoundé, province du Nord Kivu. Voilà, mesdames et messieurs. La semaine a commencé avec plusieurs accrochages signalés. Et maintenant, là, d'ailleurs, près de Sake, là, en parlant de Rutoboko, qui se trouve à 2 km de la cité de Sake, il y a un calme qui règne maintenant là dans cette partie de la province du Nord Kivu. Alors, selon les conseils locaux de la jeunesse, dans cette partie de la province, c'est aux environs des 17 h de lundi dernier que les rebelles ont tenté de déborder une position de Wazalendo érigée à Lutobogo pour atteindre la cité de Sake, avant de croiser les résistants qui n'ont pas hésiter à ouvrir les feux sur l'ennemi. Alors, le fait toujours de vouloir surprendre aussi l'adversaire, c'est ce qu'ils font toujours, parce qu'ils veulent aussi reconquérir des entités sans pour autant qu'il y ait un affrontement. Donc, ils viennent et vouloir surprendre le Wazalendo pour que ces derniers se retirent directement sans pour autant combattre. Mais ils ont aussi trouvé une résistance. Les Wazalendo ont aussi résisté et ont empêché donc les M23 RDF d'avancer à 2 km de la cité de Sake. Voilà, mesdames et messieurs, ils ont donc été repoussés et c'est comme ça encore une fois qu'ils sont rentrés pour revenir avec d'autres stratégies. C'est ça, c'est ce qu'ils font toujours, parce que je vous ai dit la semaine passée même, en commençant cette nouvelle semaine, il y a eu des affrontements qui ont une fois de plus été signalés toujours dans ces mêmes territoires, bien que ce n'était pas tout près de Sake. Mais tout près de Sake, il y avait d'autres affrontements. Donc, simultanément, les M23 ayant subi quelques revers avec la résistance des Wazalendo. Et auprès de Sake, ce sont maintenant les FRDC qui sont venus appuyer les Wazalendo pour ne pas tomber dans ces pièges de l'ennemi. Au-delà de ces pièges, pour ne pas tomber, parce que ça devrait être même une embuscade. Être surpris, vous vous réveillez un petit matin, ou disons les soirs, vous vous reposez pour après toute une longue journée, vers 17 h, c'est l'ennemi qui vient maintenant pour attaquer vos positions. Heureusement, mesdames et messieurs, les FARDC, tout comme les Wazalendo, sont prêts à toute éventualité. Ils savent que l'ennemi peut attaquer n'importe quand, et voilà pourquoi on les voit toujours aussi aux aguets. Surtout les verrous qui est au niveau des Sakés. C'est un verrou très important, mesdames et messieurs, et ça fait à ce que l'ennemi, à un certain moment, se retrouve. Donc, il n'a plus d'autre stratégie pour faire quelque chose, ou disons pour progresser.
Il ne récupère plus les entités, bien que nous pouvons aussi fustiger le fait de les laisser dans certaines entités sans pour autant venir les déloger. Mais comme il n'avance pas, mesdames et messieurs, parce que dans ses objectifs, c'est toujours conquérir des entités, plusieurs entités possibles, et faire chanter le gouvernement congolais, des chantages encore une fois pour que le gouvernement congolais cède facilement à leurs soi-disant revendications. Voilà pourquoi il faut toujours faire attention. Il faut surtout, je répète, il faut surtout rester très mobilisé comme nous sommes toujours en train de le voir pour bloquer les M23 RDF. Parce qu'elles ne sont pas en train de se retrouver dans tout ce qui s'est dit à Luanda. Certains Congolais qui ont pris cette initiative d'emboîter les Rwandais dans ces mauvaises habitudes, parce que ces gens, la plupart sont condamnés. Et une fois de retour en République démocratique du Congo, ils doivent faire face à la justice. C'est dans ce sens, mesdames et messieurs, que vous les voyez aujourd'hui comme leurs revendications ne sont même pas écoutées par le gouvernement de Kinshasa. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à multiplier quelques attaques, ça et là, plusieurs fois au même moment. Malheureusement, ils ne sont même pas forts que les FRDC, même c'est l'Oisalendo, c'est face aux Oisalendo, ils nous ont du mal justement à s'en sortir. Alors déjà, comme les FRDC sont intervenus, voilà, pour protéger toujours Sake, ça fait à ce qu'aujourd'hui, les M23, RDF, surtout, si je peux me limiter tout simplement, ces Congolais-là qui ont pris la direction de Kigali pour justement jouer en faveur de Kigali, combattre en faveur de Kigali, ces gens ne savent plus sur quel sein se vouer. Ils sont aujourd'hui en difficulté. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vont devoir faire pour justement être écoutés. Parce que ça aussi, le plus important pour eux. Les Rwandais sont en train de discuter pour soi-même. Tout ce qui s'est fait à Luanda, c'est entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. On ne parle pas de Nanga. Et je vous dis, si il y a un accord qui sera, disons, si les deux parties arrivent à trouver aussi des consensus, à se mettre d'accord sur un accord, moi je vous dis, le Corneille Nanga et les autres ne sauront même pas qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette brousse. Parce qu'ils ne vont plus bénéficier la plupart du soutien du Rwanda. Bien que le Rwanda a toujours été aussi ses voisins hypocrites, mais moi je vous l'ai dit, mesdames et messieurs, si une fois, nous on en finit avec le Rwanda, ok, mais si les accrochages continuent, là ça sera maintenant la force la République démocratique du Congo pourra imposer à tous ces gens. Et si une fois nous parlons de la force, ils ne peuvent pas résister. Ça vous le connaissez mieux que quiconque. Ils ne peuvent pas résister. Donc, si le Rwanda accepte de se désengager de la République démocratique du Congo en retirant toutes ses troupes, ça sera fini pour les Corneille Nangaa, pour ces Congolais des différents partis politiques qui ont pris la direction de l'AFC ou M23. Ces gens vont manquer où aller. Peut-être trouver refuge en Ouganda ou au Rwanda, mais pendant combien de temps ils seront toujours là comme des réfugiés? Ou soit ils vont encore une fois se reconstituer pour venir avec une autre histoire semblable à celle qu'on est en train de voir aujourd'hui. Parce que c'est toujours le cas. AFDL, RCD, CNDP, M23, les mêmes gens, mesdames et messieurs, mais qui changent souvent des varices. Voilà donc. Donc il faut toujours rester aux aguets. Et surtout quand on prend une mesure, il faut faire attention, disons, suivre cette mesure à la loupe. Parce que l'ennemi est aussi rusé. Et face à un ennemi pareil, on doit aussi utiliser l'intelligence comme République démocratique du Congo. Voilà donc tous ces faits et gestes. En multipliant des accrochages, ça et là, plusieurs lignes de front au même moment, ça veut dire, mesdames et messieurs, qu'il est en train de tenter là où sa stratégie va marcher. Donc, c'est un hasard. Il tente tout simplement, espérant justement qu'il va peut-être tomber sur un groupe de Oisalendo ou les FARDC qui ne sont pas aux aguets, qui ne sont pas mobilisés, qui sont distraits pour profiter et reconquérir, disons, conquérir d'autres entités. Donc, moi je pense bien que l'attitude qui caractérise aujourd'hui les forces armées de la République démocratique du Congo, c'est cette attitude, mesdames et messieurs, qu'il faut toujours encourager. Alors, on continue, mesdames et messieurs, parce que toujours dans cette partie de la province du Nord Kivu, là, nous sommes près de Sake. Comme je vous ai dit, ce sont des affrontements qui ont commencé depuis lundi à 17h, mais
Les mardis, c'était inaccalmé. Jusqu'à présent, c'est inaccalmé toujours qui s'observe dans cette partie. Parce qu'Oswald Colimouche, comme c'est bien lui qu'il s'agit, il est responsable du conseil local de la jeunesse au niveau des Camerounais, justement, en voyage près de ça, lui qui a donné toutes ces précisions, indique que quelques heures après ces altercations, la situation s'est améliorée. Jusqu'au petit matin, des mardis, et aucun coup de feu ne s'est encore une fois fait attendre dans la zone des Kamuronza. C'est que lui-même a essayé un peu de donner comme aussi précision. Alors, déjà, comme je le disais, ces cadres de jeunes dans cette partie de la chefferie des Bahoundé, voilà, ils rappellent aux autorités compétentes la misère que traverse la population des Sakés et ses environs, et ces gens qui sont toujours victimes des affrontements des rebelles du M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise. Alors, c'est justement un calvaire. Les populations qui sont restées là-bas sont en train de subir aussi une situation là, en tout cas, je vous l'ai dit, mesdames et messieurs, très compliquée. Et ça fait à ce qu'il y ait même des bons. Comment dire? Beaucoup de craintes, justement. Beaucoup de craintes parce que même les leaders locaux sont en train de se poser beaucoup de questions. Quel sera le lendemain? Demain, ce sera comment? Ce sont autant de questions que les gens sont en train de se poser. Et jusque-là, il n'y a pas de réponse. Parce qu'au même moment, les gens sont en train de souffrir dans les sites des déplacés. Et ailleurs, ou disons dans d'autres parties, les gens continuent toujours, mesdames, sont en train toujours de souffrir avec des détonations d'armes. Des armes, en tout cas, qui se font entendre ça et là, et les gens ont même du mal à bien dormir, les gens ont même du mal à passer très bien la journée. En tout cas, moi, je vous dis, c'est une population très maîtrisée, mesdames et messieurs. Malheureusement, on ne voit pas aussi des accompagnements dans ce sens pour assouplir certaines exigences et que cette population puisse se sentir encore une fois à l'aise. Voilà les grands soucis. Alors, ces responsables justement de ces structures, ils demandent également aux premiers intervenants de la sécurité, et là ce sont les FRDC, qui doivent justement fournir tous les moyens possibles afin de mettre fin à cette situation. Ça, c'est tout à fait logique. Parce que cette situation pourrait, mesdames et messieurs, risque de bloquer totalement la circulation sur la route Sake-Masisi. Parce que si une fois la circulation est coupée sur cet axe, vous-même, vous connaissez les conséquences qui vont suivre. Même ici à Goma, parce que Goma, je vous l'ai toujours dit, Goma est en train de subir aussi les conséquences de tout ce qui se passe. Et quand on coupe même toutes ces routes, c'est compliqué. Parce que c'est directement, on coupe la connexion entre Sake et Masisi. Et pourtant, ça nous facilite aussi pour que, avec Sake, c'est aussi un moyen qui rassure un tout petit peu pour que les choses puissent bien avancer. Alors, nous tenons tout simplement de rappeler que cette série d'accrochages qui est fréquemment enregistrée dans cette zone, et là, nous parlons des Routoboko. Cette zone qui est souvent, qui commet beaucoup d'atrocités parce que les M23 RDF veulent toujours faire sauter les verrous autour des Sakés. Une entité qui est considérée comme une zone tampon entre ces belligérants. Routoboko, 2 km des Sakés. Rappelez-vous toutes les collines qu'ils ont essayé un peu de contrôler avant d'être délogés. Et dès lors qu'ils ont été délogés, ils n'ont plus une influence sur cette zone. Alors, l'objectif pour eux est de revenir avec force. C'est ça qu'ils sont en train de vouloir faire justement, qu'ils reviennent avec force et tenter encore une fois de déloger soit les FARDC, soit les Ouazalendo. Malheureusement, ils n'arrivent toujours pas à bien le faire. Voilà pourquoi nous insistons, mesdames et messieurs, sur la nécessité d'être toujours très mobilisés. Parce qu'au niveau diplomatique, je l'ai dit même depuis la semaine passée, il y a un blocage qui s'observe. Parce que c'est vrai. Les deux parties sont sur le point de conclure un accord avec les préalables, bien sûr, évoqués, mais le mal dans tout ça, et c'est pour cela, moi, je considère ça comme étant un blocage, c'est que le Rwanda n'est pas toujours en train de répondre d'une manière claire
au préalable de Kinshasa. Parce que jusque-là, on n'a pas assez de précision. Si les militaires rwandais vont se retirer de la République démocratique du Congo au même moment que les plans de neutralisation des FDLR sera en train d'être pratiqué. C'est que j'ai dit depuis la semaine passée, en prenant en considération les dires de la ministre d'État, voilà, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, elle a parlé des opérations qui doivent être faites aussi d'une manière concomitante. Donc, vous retirez vos troupes de la République démocratique du Congo au même moment, ce sont les FDLR qui seront en train d'être neutralisés. Mais moi, je pense que ça n'aurait même pas se faire ainsi. Parce qu'aujourd'hui, les FDLR, en quoi sont-ils d'actualité? En quoi qu'est-ce qu'ils représentent en termes d'actualité, les FDLR? Non, ce ne sont pas ces FDLR qui sont en train de faire à ce que les populations se déplacent. Cette catastrophe humanitaire qui se présente toujours, ce n'est pas avec les FDLR, mais plutôt la présence des militaires rwandais dans l'est de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, nous insistons sur ces points. Le gouvernement congolais a été roulé encore une fois dans la farine, pensant qu'il est en train d'épuiser tous les motifs que le gouvernement rwandais a toujours présentés, justifiant sa présence en République démocratique du Congo. Là, le gouvernement congolais a mal agi. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'aujourd'hui, ils vont nous embrouiller encore dans les histoires des FDLR. La question principale, oui, on peut présenter tout simplement un plan de neutralisation sans pour autant passer à l'action. On présente. Les Rwandais voient les plans. S'il est d'accord, ok. La médiation aussi valide. Et puis, que les Rwandais retirent maintenant ces troupes. Donc, les retraits des troupes rwandaises, ou disons, la présentation du plan de neutralisation des FDLR, devrait aussi être conditionné par les retraits des troupes rwandaises de la République démocratique du Congo. Ce qui n'est toujours pas le cas. À moins qu'on nous dise le contraire, parce qu'on n'a pas assez de précision. Si vous êtes en train de nous cacher certaines choses, peut-être. Mais nous analysons les faits qui se présentent. Les faits qui se présentent font état, mesdames et messieurs, d'un plan de neutralisation. Et l'entrée en lice même des forces armées de la République démocratique du Congo pour neutraliser les FDLR. Jusque-là, voilà une autre confusion. On ne nous dit pas que ça va se faire et au même moment que les Rwandais retirent ses troupes de la République démocratique du Congo. Et si tel est le cas, ne voyez-vous pas qu'on est en train de désorienter les efforts qui sont beaucoup plus concentrés aux militaires rwandais en présence sur les sols congolais et leurs amis du M23? Mais on se focalise maintenant sur la question des FDLR, les gens qu'on n'arrive toujours pas à bien situer. Voilà donc, nous n'arrivons toujours pas à bien comprendre ces histoires. Parce qu'à un certain moment, on le disait, le gouvernement congolais devrait être beaucoup plus vigilant en discutant avec les Rwandais. Parce que vous pouvez dire ça et les Rwandais peuvent vous profiter et vous présenter d'autres choses qui n'ont même pas de sens. Et c'est ce qu'on nous a fait en nous présentant la situation des FDLR et pourtant ça n'a plus de sens. Dommage parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut encore faire pour se rattraper, mais c'est possible parce que jusque-là, rien n'est encore signé. Donc, il faut prendre toujours en considération tout ce que les gens sont en train de dire, surtout certains leaders d'opinion, certains mêmes experts de cette situation dans la sous-région qui en parlent avec beaucoup, beaucoup de courage. Donc, on doit toujours faire attention et surtout ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi, parce que c'est un piège dans lequel l'ennemi nous a mis et malheureusement nous avons tombé dans son jet. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir par rapport à cette information. Je l'ai dit, ça qui est toujours protégé par les FRDC, les Oise-Lendo et d'autres forces alliées, la SADC, parce qu'ils sont tout près de là. Et donc, les M23 ont été repoussés à 2 km. Parce qu'ils voulaient s'avancer à 2 km de ça, mais ils ont été repoussés. Et c'est encore une fois un échec pour ces derniers. Mesdames et messieurs, on se retrouve une fois de plus demain pour échanger sur d'autres actualités, décrypter, pourquoi ne pas aussi appeler certaines sources pour que nous puissions avoir assez de précisions sur la situation dans plusieurs zones, aujourd'hui toujours en province du Nord Kivu. Et c'est comme ça que Congo Live Télévision vous accompagne.
Mesdames et messieurs, joignez-vous à nous, à nos écrivains, au plus 243 9 98 72 43 14. 9 98 72 43 14. Merci, merci, infiniment merci à vous de nous avoir suivis. Demain, on se retrouve pour d'autres nouvelles sur la chaîne qui vous édifie.